Alors, Oscar Freisinger, que pensez-vous du cas israélien? Ah, alors, le cas israélien est emblématique. Il est emblématique dans le sens où c'est vraiment la nation la plus vaccinée au monde. Donc, vous avez quelque chose comme 85% dans ces eaux-là qui sont vaccinés. Et on nous avait dit, dès le moment où, au début, on nous disait même à partir de 60%, la vaccination de groupe, donc comment on dit, pas la vaccination, L'immunité collective. voilà. Donc, l'immunité collective est atteinte. Or, ils ont largement dépassé cette limite-là, et puis il n'y a pas d'immunité collective, puisqu'on considère maintenant que les doubles vaccinés, c'est comme s'ils n'étaient pas vaccinés. Donc, ils sont déjà au troisième vaccin, ils parlent du quatrième. Ils ont une énorme poussée de cas, et donc on voit que le vaccin ne maîtrise mais absolument rien, ne sert à rien contre cette pandémie. À côté, vous savez, les Palestiniens, vaccinés à 15%, faible 15%. Qui ont 7 fois moins de cas, qui n'ont pas de poussée, qui n'ont rien, où ça se passe bien. Et ça, c'est juste à côté l'un de l'autre. Donc, ce n'est pas de l'autre côté de la planète. Donc, c'est juste l'un à côté de l'autre. Donc, on est quand même en mesure, là, de se poser la question, droit de se poser la question, mais à quoi bon une vaccination massive de toute la population, si ce n'est pour remplir les poches des pharma, parce qu'à chaque variant, ils vont augmenter le prix des vaccins, ils le font d'ailleurs déjà. Et puis, ils se remplissent les fouilles. Et le but, c'est ce qu'a dit le patron de Moderna. Il l'a dit, je l'ai entendu à la télé le dire ouvertement. Ah, mais il ne faut pas croire qu'on va pouvoir se débarrasser de ce vaccin. On s'aperçoit qu'on ne peut pas, comme le vaccin de la grippe est difficile à maîtriser, il va falloir imaginer une vaccination tous les 6 mois, toute sa vie. Non, mais voilà ce qu'on est en train de nous dire. Et ceux qui disent ça sont ceux qui, évidemment, vont se faire des centaines de milliards grâce à la vente des vaccins. Donc. Permettez-moi quand même de rire. Je ris parce que je ris jaune, parce que c'est à pleurer. C'est scandaleux, tout simplement.